L'idée d'un toit pour Roland Garros ne date pas d'hier. Retour sur un projet au long cours qui devrait bientôt arriver à son terme. 2001, l'équipe de France remporte sa 9e Coupe Davis contre l'Australie sous le toit de la Rod Laver Arena. Un toit qui donne des idées à la FFT pour Roland Garros. Et comme Paris est candidate à l'organisation des JO 2012, le projet démarre tambour battant. Mais en 2005, le CIO choisit Londres plutôt que Paris. Premier coup d'arrêt. 2010, pour le Conseil de Paris, Roland Garros doit rester dans la capitale. Avec une majorité écrasante, 141 voix pour, 12 contre, on peut enfin reparler du toit. 2011, sollicité par la FFT, la Commission nationale du débat public recommande une grande concertation avec les riverains et les associations. Le futur Roland Garros sera le fruit d'une réflexion collective. 2012, plusieurs études sont lancées. Sur la base de celles-ci, les demandes de permis de construire sont déposées par la FFT en 2013. 2014, l'enquête publique leur donne un avis favorable. Mais le projet alternatif de couverture de la 13, porté par les opposants, refait surface. À la demande du Conseil de Paris et du ministère de l'Écologie, une troisième étude est lancée en 2015, qui ralentit de fait le processus engagé. Une troisième fois, le même verdict tombe. Inconciliable avec les contraintes du tournoi. Dans la foulée, les permis de construire sont enfin délivrés, mais les opposants portent l'affaire devant les tribunaux pour les contester. 2016, plus que jamais, la FFT reste mobilisée pour le nouveau Roland-Garros, plus vert, plus accueillant, plus aéré et avec un toit. Across the line.